La météo, il a été Ah décalé. mince, d'accord. Ah, c'est dommage Et ça. le. Enfin, ça se fait encore. Ah, Ah, ça commence. il y a le jeu. Donc, bah, je vais commencer. Bah, j'espère, je pense que plus ou moins tout le monde connaît les Gremlins. Donc ici, c'est Gremlins The New Batch. Donc, il y a le tiré du deuxième film des Gremlins. Pour raconter grosso modo l'histoire, c'est l'histoire donc de Gizmo qui est un Mogwai, donc c'est une espèce de petit bonhomme tout mignon là. Enfin, je trouve personnellement qu'ils sont pas super mignons, mais bon, c'est mon avis. Donc son propriétaire va mourir au début du film, c'est assez triste d'ailleurs, dans une scène très émouvante et qu'on ne voit pas. Et donc il va être ramassé par un scientifique qui va l'emmener dans un building de Monsieur Clamp, qui est un peu un Trump, voilà, bah, vous voyez un peu le genre. Forcément, et ben ce Mogwai va se prendre de l'eau, et quand les Mogwai se prennent de l'eau, et ben ils se multiplient en petits autres Mogwai qui vont se transformer par la suite en Gremlins. Et ils sont pas très gentils. Donc voilà, ben, l'histoire ça va être ça, ça va être de traverser tout un tas de niveaux pour aller tuer les Gremlins. En soi, bah, ce qui raconte à peu près le film en fait, parce qu'ils font vraiment n'importe quoi les Gremlins dans ce film. C'est vraiment un peu un fouillis assez innommable, le jeu complet, le film pardon. Donc moi je vais parler plus du jeu en fait. Donc là on voit que ça vient de commencer, donc avec une très bonne, donc on voit déjà la caméra qui est assez est de trois quarts en fait, ce qui va en fait qui va faire en sorte que les ennemis on va pas vraiment savoir où ils sont sur l'écran. Des fois on passe un peu à côté comme ça, on les traverse et donc on va donc comment on va les tuer. On va avoir différentes armes qui vont popper. D'ailleurs il y a à noter que l'univers du film est pas mal respecté. Est vraiment pas mal respecté dans ce film, parce que toutes les armes qu'on va récupérer, je crois qu'elles sont visibles dans le film. Tous les niveaux sont vraiment tirés de scènes du film. Bon, parfois, bon, bien sûr, c'est complètement extrapolé, une scène de 1 seconde va forcément faire un niveau entier. Mais bon, de toute façon, pour ce genre de jeu, il n'y a pas trop le choix par moment. Donc on voit déjà qu'il a déjà terminé le premier niveau. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le jeu en général? Donc tous les ennemis vont nous donner des items quand on les tue. Donc ça va être primordial de les tuer justement pour ramasser des points en fait, qui vont nous permettre d'acheter des items hein, qui vont nous être très très utiles pendant la run. Donc il y a 4 sorts d'items, c'est les cœurs supplémentaires, les vies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des power-up d'armes, etc. Donc chaque ennemi nous donne ces points-là, et donc il faut forcément tuer. Bon, on va pas avoir le temps de tous les tuer, donc on va essayer de se concentrer sur ceux qui se mettent sur notre chemin. Et donc ça va vous permettre d'acheter donc ces items qui sont dans des shops qui apparaissent, enfin, qui sont toujours à positionnement fixe sur les maps. Voilà, donc on finit déjà. Donc c'est une run assez courte, hein, donc c'est très difficile de tout expliquer sur le jeu en fait. Je suis en train de me rendre compte. Je pensais que ça irait un peu moins vite. Au niveau des ennemis en eux-mêmes, c'est eux qui vont un peu faire le. Regardez le déplacement des ennemis. C'est vraiment n'importe quoi. Ils se déplacent n'importe comment les ennemis. C'est vraiment ça qui va faire toute la run, qui va vraiment. Et vraiment jouer sur le temps, etc. Oula, très beau skip d'ailleurs qu'il vient de faire ici. Il faut faire très attention à ces plateformes parce qu'il y a des cycles à ne pas rater. Et on sait, oula, bah, il a. Voilà, on voit très, très clairement que les ennemis se déplacent de manière complètement aléatoire. Mais vraiment, ils font n'importe quoi. C'est codé comme ça le jeu. Et c'est un peu ça que tout le monde déteste dans le jeu d'ailleurs. C'est que justement, on peut pas jamais prévoir ce qu'il faut faire. Il faut vraiment improviser tout le temps ce qu'il faut faire. C'est très, très difficile. Donc c'est un niveau vraiment qui fonctionne par cycle ici, donc il va falloir vraiment ne jamais s'arrêter sur ce niveau pour espérer avoir les meilleurs cycles. Et là il suffit, bon ça change pas grand chose. Et d'ailleurs j'en ai remarqué, donc j'expliquais un petit peu qu'il a ramassé un item qui est donc le power up, enfin il l'a acheté au marchand, et ça va vous permettre justement de vaporiser le boss complètement. Donc on se met dans un excusez-moi, on se met dans un safe spot ici au milieu, et il saute sur place. Voilà, il est bloqué. Le world record est toujours détenu par un joueur de l'UD. Non, c'est bah, ça, on dit qu'il l'a, le runner qui joue en ce moment, en 7 minutes 32. Donc, c'est très très propre, je crois. Oula, il est tombé. Ah bah voilà. Et j'ai oublié de le dire,
Il y a aussi des ballons. Quand on tombe dans un trou, on utilise donc son ballon. Donc on a un ballon à chaque, au début de la run. Et si on le perd, en fait, il va devoir en racheter un par la suite. Parce qu'en fait, il y a un skip à faire à la fin. Oh, il fait un petit damage boost ici. Ça, c'est une technique de tasse. C'est trop beau. Parce qu'en fait, l'aide, ce qu'il vient de faire, d'ailleurs, bah, je suis en train de passer d'une explication. Je m'arrête en plein milieu d'une explication pour en commencer une autre. Mais en gros, voilà, quand on se fait repousser pour les damage boost, il faut être retourné parce qu'on est repoussé en arrière. Voilà, donc là, on termine dans un trou, mais en fait, ce qui est une ombre. Enfin, bref. Donc, je disais, les ballons, j'ai pas fini d'expliquer. Donc, dans un des derniers niveaux, en fait, on va avoir besoin d'un ballon, justement, parce qu'on va tomber dans un trou, et les ballons, en fait, vont nous permettre de nous déplacer dans une certaine distance au-dessus des trous, donc ce qui va être très utile. Mais là, il va être obligé d'en racheter un. Ce qui va lui faire perdre un petit peu de temps, mais c'est pas très grave dans une reste. Ah tiens, là il joue safe, il prend un quatrième cœur, donc ça coûte 100 points. Comment il optimise les vitesses de déplacement dans les shops? Ah, même sans les shops, j'ai l'impression qu'il bouge plus vite. Non, pas spécialement. Non, je pense pas qu'il se déplace plus vite. Hein. Au niveau des déplacements, il fait des virages plus serrés, je pense, tout simplement. Il n'y a pas trop de secret, de toute façon on peut pas changer la vitesse du personnage est fixe. Et là on arrive d'ailleurs, on est au boss le plus dur du jeu, à mon sens, et je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça. C'est un boss qui est vraiment très RNG, qui se déplace n'importe comment, et ces petites boules nous font mal. Donc très bien joué, Andy, pour ça. Et on arrive donc au l'avant-dernier niveau, déjà, c'est très rapide, avec une arme totalement cheatée qui est de l'arc. Parce qu'en fait, quand on a le power-up, ça fait 5 tirs. Ça envoie 5 tirs en même temps, et en fait, c'est complètement cheaté parce que ça couvre tout l'écran. c'est assez abusé, et puis... De toute façon, je crois pas que le jeu soit fait justement pour qu'on garde le power-up très longtemps. Hein. En speedrun, on l'a tout le temps, c'est trop mieux. Et faut regarder cet ennemi qui lance des chapeaux. C'est vraiment l'enfer sur Terre. Et pareil ici, des petits pièges avec des mains qui apparaissent. Ah, c'est très vicieux. On adore ça. Oh, le petit damage boost que je connaissais pas. Bon, je crois que ça sert à rien en fait, mais... je pense que c'était peut-être une erreur en fait. Allez, on attaque un niveau, justement c'est là dans le niveau où on doit utiliser le ballon normalement. Attention aux chauves-souris qui ont une très grande hitbox. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'enfer, il y a des ennemis partout, il fait vraiment des sauts très très précis. Andy est vraiment très impressionnant, et d'ailleurs, c'est un honneur à suivre, parce qu'il a vraiment des records du monde sur plein de jeux, dont Gremlins. Et là, donc, il a racheté son petit ballon, du coup, qu'il avait perdu. Voilà, il a perdu un petit peu de temps, et donc il tombe ici, et il passe au-dessus du trou, tranquillement, alors qu'il aurait dû faire le tour, normalement. Donc voilà, là, ça permet directement d'arriver à la fin, on gagne à peu près 10-15 secondes, sans trop de problèmes. On arrive au boss, attention. Le plus rapide, ne clignez pas des yeux, parce qu'en fait, voilà, avec les flèches, on le vaporise complètement parce qu'on le touche trois fois par trois fois. Et voilà, on récupère le dernier item du jeu, la dernière arme du jeu qui est la torche. Enfin, la torche, quoi, je sais. Voilà, je sais pas trop ce que c'est en fait. Je crois pas que ce soit dans le film pour le coup. Et oula, mais il joue vraiment très très dangereux. Vous voyez qu'il prend même pas la peine de tuer certains ennemis. Il passe comme ça et il suffit juste que les ennemis fassent un écart sur la droite ou la gauche et ça marche pas, quoi. C'est fou. C'est très impressionnant, cette manière de jouer. Hop, voilà, des sauts très très précis. Là, c'est vraiment une espèce de plateforme classique, sans problème. Et voilà, et on arrive déjà bientôt au dernier boss. Là, il pourrait jouer safe, il pourrait prendre une vie dans la shop, mais non. Andy, il a confiance. Il sait que ça va très bien se passer. Et pourtant, là, c'est un peu... Ouais, mais des ennemis sont vraiment sympas. Des fois, il y a des ennemis là qui... pop au-dessus du vide et qui nous font tomber, etc. Et on recommence tout, enfin bref, vous voyez le genre. Et on arrive au dernier boss, l'araignée, donc qui est dans une scène du film qui est très 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 très... voilà, bah c'est fini déjà, très très courte. Donc voilà, c'était un boss assez facile, où il suffit de sauter en fait pour améliorer le DPS. Donc 8 minutes 10, c'est un très très bon temps, très très bon temps. Et le record du monde est, on rappelle, à 7.32. Et ouais, c'est très très propre. Mais j'ai eu très peu de temps en fait pour parler du film en lui-même. Mais voilà, à la fin, ils sont tous contents, ils ont réussi. Voilà, ils utilisent le mec électrique qu'on a vu là, qu'ils avaient enfermé dans un téléphone.
et pour détruire les Kremlins qui n'aiment pas la lumière. En gros, c'est ça, je crois. Mais et voilà, ils font tous, et c'est horrible, je trouve, personnellement, que c'est affreux. C'est un jeu cruel. Je vais chercher le prochain Zari. Ah bah non, d'accord. C'est bon, il a été switché. Et oui. Voilà. Et bonjour. Car notre staff est efficace et nombreux. C'est beau. Mais quand même, Biff ne dort pas. Un jour, il y arrivera. Un jour, on aura assez de monde pour que Biff dorme. Si, je vais y aller là. Sauvez Biff, rejoignez le French Roast Stream. Devenez modérateur et punissez les spammers. Bon, et bah... j'ai l'impression d'être un nationaliste qui recrute. Bah, merci à toi en tout cas, Milay. Merci beaucoup à vous aussi. C'était très cool, même si c'était court. C'était intense. Donc, non, c'est ton seul commentaire, c'est ça de... Non, j'ai un autre commentaire ouais, dans la nuit de je sais plus quand, jeudi ou vendredi. Mais... Bah voilà. Enfin, je vais te dire ça. C'est samedi, ouais. Samedi. Voilà, donc. Ah, je vois qu'il y a des gens qui.